Oi, 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 shalom alechem, shalom à la haine, shalom à la haine. Oi, 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 ma terre est souillée, la Palestine est juive comme Stéphane Caro. Et nous en arrivons enfin, je sais, ça fait du bien, à la conclusion. Sauf qu'il me reste encore 10 pages, donc il me reste à peu près 3 heures, et oui, c'est pénible avec Vaquette, c'était une bonne nouvelle, c'est le côté douche écossaise avec Vaquette, c'est ah, ouais, mais non, c'est pas la bonne. Donc il nous reste la conclusion. Alors, comme chacun sait, hein, Vaquette est couvert de diplômes, Vaquette est très intelligent, Vaquette a fait des études, et conséquemment, Vaquette est extrêmement académique, donc il a créé le plan. Hein, en 3 parties, vous avez remarqué, 3 parties, et oui. Et en introduction, il a défini une problématique. Hein, la problématique étant, est-ce que c'est le fait d'avoir chanté Mort aux Juifs puis écrit Mort aux Juifs qui est responsable de l'échec de ma carrière. Alors évidemment, comme c'est académique, au moment de la conclusion, puisque nous sommes au moment de la conclusion, on va répondre à la question, n'est-ce pas? Et pour nous aider, hein, si vous passez le bac, les jeunes, voilà, les gosses, vous prenez modèle, comme Vaquette. Hein, vous faites virer d'abord, puis après vous êtes brillant, sinon c'est ridicule de se faire virer quand on n'est pas brillant. Ça devient ridicule. Alors bon, la problématique, en intro je l'ai donnée, on va arriver en conclusion. Et pour ce faire, pour nous aider, on va prendre 4 exemples, 4 cas d'école, donc on va à la fois traiter les cas d'école, puis on va en profiter pour, comme toujours avec Vaquette et comme toujours dans cette vidéo, digresser un peu, sur ces cas d'école. Les 4 cas d'école, c'est Dieudonné, forcément, c'est Orelsan, c'est Vuillemin et c'est Coste. Et c'est très intéressant, vous allez voir les 4... Alors évidemment, il y en a d'autres, on pourrait parler de Guillon, on pourrait... admettons. Mais je sais plus qui tu me disais aussi, on pourrait parler... Enfin, bon, ça... Mais ces 4 cas sont vraiment intéressants parce que c'est... Vous allez voir, comme toujours avec Vaquette, on sait où ils vont en arriver. Donc commençons par... Enfin, lui, c'est où il va en arriver. Vous parlez, c'est pour ça que vous regardez la vidéo. Sinon, vous feriez pas chier. Alors, ou alors c'est dans l'autre sens. C'est pas ce que vous faites chier dans la vie que vous regardez la vidéo. Je ne sais pas bien. Bon, faut que j'arrête de digresser bêtement. Dieudonné. Dieudonné, dans ce cas dont on parle, qui est la censure, mort aux juifs, bon, voilà, c'est le cas évidemment le plus emblématique, et le plus connu, mais probablement le plus emblématique aussi. Donc on rappelle les faits, pour ceux qui ignoraient, il fait un sketch qui n'a rien d'antisémite, un sketch comme tous les humoristes en ont toujours fait, c'est-à-dire, ah, il y a des méchants fachos, bon, alors, voilà, il aurait fait le sketch 30 ans plus tôt, il aurait probablement fait Pinochet, méchant facho, 20 ans plus tôt, il aurait fait Apartheid, méchant facho, blanc. Là, et évidemment, pour plein de gens dont je fais partie, les méchants fachos, c'est juste les militaires israéliens, bon voilà. Et puis un autre fera tout aussi légitimement un sketch sur les méchants syriens, etc., etc., etc. La forme est évidemment éculée au possible, on est chez les rigolos, avec des grimaces, avec en se grimant, on imite un type qu'on prend comme truc, bon, etc. Et puis tout ça aurait dû rien faire, juste tout ça aurait dû faire des beaufs qui aiment le café-théâtre sur une chaîne débile de télé, et puis qu'on dise, bah, ah, il nous a fait marrer, bon, la semaine d'avant, il a imité un boucher, la semaine d'après, il va imiter un coiffeur, la mec de la boîte de nuit, la connasse avec son sac à bain qui veut draguer, comme n'importe qui fait des sketchs café-théâtre, puisque là, il a pris un militaire facho, point barre. Ça, c'est pas passé comme ça, puisque, là où je reviens au bouquin de Jean Romain, dont j'ai parlé en introduction, la Judéomanie est arrivée, et qu'aujourd'hui, on peut plus dire le mot juif. Bon, voilà. Donc, je ris d'ailleurs pour ça, parce que je sais pas si j'ai dit ça, comme ça fait un moment qu'on filme, peut-être je radote tout le temps. Souvent, je pense à propos de ça, à ce poème d'Apollinaire qu'a chanté Ferré, il était juif et sentait l'ail. Bon, voilà. Eh ben, aujourd'hui, tu écrirais ça, ou aujourd'hui, tu le dirais? Oh, antisémite! Antisémite! A été juif et sentait l'ail, bon ok d'accord, voilà. Tu dis demain il est breton et sentait le merlan, voilà, demain il était auvergnat et sentait le bleu, non, il était juif et sentait l'ail, c'est... Ah, bon. Hop, on n'a plus le droit de sentir le juif, faut sent bon forcément, le juif intelligent, le plus... C'est aberrant. Bon, il y a tout ce qu'on sait qui lui arrive, il est traîné en justice, il a beau gagner ses procès, ça change rien, il est surtout traîné devant la justice de la police politique, c'est-à-dire qu'il est plus fréquentable, si on le fréquente, il faut nécessairement prendre position pour en dire du mal, on en arrive à une aberration de plus en plus, c'est que maintenant, carrément, il y a des arrêtés municipaux pour interdire ces spectacles. Ça, c'est une folie. En Belgique, alors je me disais, les Belges, ils sont pas au point de la France, c'est la France qui a pété les plombs. Non, non, les Belges, il s'est fait... Il y a la police qui a débarqué pour noter les textes de ses sketchs, pour l'attaquer et lui faire un procès. Il va être traité en justice en Belgique. On est dans l'aberration, voilà. Et ce que je précise aussi, c'est à se demander si c'est, comme je disais, il était juif et sentait là, et si c'est parce qu'il a prononcé le mot tabou qu'on n'a même plus le droit de prononcer, qui est le mot juif, ou peut-être, dans son cas, qu'il a juste critiqué Israël. Et qu'aujourd'hui, par un glissement progressif qui est signifiant, parce que c'est ce qui manque dans le bouquin de Jean Romain, c'est qu'il explique les faits, il dit on n'a plus le droit de dire le mot juif. Mais il fait pas comme si c'était, comme lui, les sionistes, peut-être pour ça, ou peut-être pas, qu'il a juste oublié. Mais il comprend pas qu'il y a une volonté derrière. C'est que t'as plus le droit de dire le mot juif, pour critiquer la politique d'Israël, faut dire le mot juif, donc par un glissement progressif, on t'interdit toute critique de la politique d'Israël. Et ça, c'est, par contre, ça, c'est, je crois pas à la thèse du complot, mais ça, c'est voulu et orchestré, évidemment. Donc, c'est à se demander si on lui reproche finalement pas plus d'avoir fait un sketch critiquant la politique d'Israël, plutôt que d'avoir cassé le tabou de dire le mot juif et de rire avec les juifs. Et d'ailleurs, c'est à se demander aussi, quand moi je fais Mort aux Juifs, qui critique la politique d'Israël, s'il est arrivé à un moment pour certains, je vais dire extrémistes, mais c'est même pas ça, pour un certain nombre de gens de la communauté juive de France qui sont barrés dans cette paranoïa, qui sont juste abrutis et sont bercés tous les jours de « on veut nous tuer, on veut nous tuer, on est un peuple, on veut nous tuer, l'antisémitisme est partout », qui a été créé artificiellement, parce que on est un pays tellement antisémite, c'est ce qu'il explique très bien dans son bouquin Jean Romain, on est un pays tellement antisémite que le chanteur préféré c'est Jean-Jacques Goldman, que Laurent Fabius est ministre, on n'est absolument pas un pays antisémite. Mais il y a un certain nombre de juifs, on leur a tellement répété « on est dans un pays antisémite » qu'ils ont peur tout le temps. Et qu'ils ont associé surtout « critique d'Israël » égale « on veut me détruire moi ». Et qu'on se demande presque, quand je dis mort aux juifs, si finalement c'est pas aussi violent pour certains juifs, la moindre critique d'Israël. C'est que si on veut que Israël change sa politique, alors on veut détruire Israël, alors on veut me détruire moi, donc on va venir me chercher chez moi. Ça devient une espèce de paranoïa, parce que c'est quand même vachement une affaire de paranoïa collective, cette histoire, dont les juifs français, et je pense d'autres parts dans le monde, sont largement autant victimes que coupables, je veux dire, pour la plupart. La plupart, ils se profitent pas, ils vendent pas des livres comme BHL, ils font pas leur pognon dessus, quoi. Donc ils vivent juste dans la peur au quotidien comme des cons parce qu'ils se sont fait manipuler, donc ils sont autant victimes que les autres. C'était une digression. C'est une folie, quoi. Reprocher à Ferré d'être suspect parce qu'il a osé dire que d'autres personnes étaient mortes dans les camps, c'est voilà. Et de toute façon, ce qui est central dans cette histoire-là, le chantage qui est derrière ce que Jean Romain appelle la judéomanie, le fait qu'on puisse plus dire tout ça, c'est qu'il faut rien faire qui puisse relativiser d'une façon ou d'une autre ce statut de victime absolue que se sont auto-octroyés les juifs. Il s'agit pas de remettre en question l'horreur du génocide juif et de la Shoah, c'est un truc. Mais il y a une espèce de chose qui doit dire c'est des victimes absolues. Et comme c'est les plus grandes victimes absolues, eh ben, ils sont coupables de rien. C'est-à-dire, tu tapes ton gosse, ouais, mais quand j'étais petit, j'étais tapé, c'était horrible, etc. Ah oui, je comprends, bah, t'as pas tapé ton gosse. Bah si, c'est horrible ce que t'as vécu quand t'étais petit. Mais c'est horrible que tu le fasses aussi, quoi. Alors, il ne s'agit pas de dire que les juifs font la même chose que les nazis, tout ça, c'est pas, on va pas prendre des raccourcis. Mais que ça a une fonction de dire, dans la mesure où quelqu'un tu le présentes comme victime, t'oses pas, quoi, dans la vie quotidienne, t'oses pas, tu passes un peu pour un salaud de lui reprocher ce qu'il a fait. Donc c'est une façon de vouloir dire, moi, voilà, reprochez-moi rien, vous vous rendez compte. C'est la technique de manipulation habituelle, c'est la technique toujours de manipulation du faible sur le fort, ça. Voilà. Oh, je suis une victime, tu vas être méchant avec moi. Oh là là, mais... Non. Là, tu me fais chier, quoi, j'y peux rien, quoi, que tu sois faible. Quoi. Mais j'ai énormément digressé. Donc, en tout cas, Dieudonné, donc tout le monde le sent, et quand tout le monde connaît l'histoire, et quand je raconte dans cette vidéo, en expliquant qu'il n'y a quasiment pas de censure et qu'il y a de l'autocensure énormément, évidemment, Dieudonné vit à 90% de l'autocensure, avant tout, c'est-à-dire que les gens veulent pas parler de lui, les gens veulent pas l'inviter, parce que Taddei l'a invité sur son plateau plusieurs fois, il a pu le faire, personne l'a eu interdit. Donc ça, c'est pas vrai. Mais il vit en plus une vraie censure. Faire un arrêté municipal pour interdire un type de jouet, ça, c'est de la vraie censure, et c'est évidemment les PV en Belgique, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est truc. Donc avant, parce que... Bon, une fois que j'ai dit tout ça, je vais bientôt cracher beaucoup sur Dieudonné. Je veux que vraiment les choses soient claires, et de toute façon j'espère qu'elles le sont, sur le plateau de Taddei, où je sais ce que j'avais dit face à Caroline Fourest, je l'ai défendu absolument, vu par plein de personnes, j'aurais été prudent, intelligent, malin, je l'aurais peut-être pas fait, évidemment j'ai aucun regret, bon. Donc je veux qu'il n'y ait aucun doute là-dessus. La censure qu'il subit, je trouve que c'est une saloperie absolue, et je le défends de ce point de vue-là, et je mets pas de demi-bémol ou de quart de bémol. Je vais dire des choses avec lesquelles je suis pas d'accord avec lui, mais centralement, la censure qu'il subit, je la désapprouve sans le moindre bémol, et pas « oui, mais quand même, il a bien cherché tout ça ». Non, rien, je suis contre ça. Je veux vraiment que ça soit clair. Et la deuxième chose que je lui reconnais et que je veux dire, c'est que je suis absolument conscient et que c'est valeureux le courage qu'il a eu, là où quasiment tous les autres, pas seulement les humoristes, pas seulement les gens qui font de la scène, je veux dire, tout le monde dans la vie, face à une menace ou un risque quelconque, la plupart des, et en particulier un risque hiérarchique, et un risque pour ta carrière, quasiment tout le monde baisse les yeux. Je vais même, tu vois, te raconter une anecdote piquante et intime, et en faisant un salut, puisque j'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo que je voulais me souvenir des bons souvenirs. Alors je vais te raconter quelqu'un qui a un ami, et voilà, et je l'aime pour plein de raisons, mais c'est parti comme ça entre nous. J'étais en école d'ingénieur, j'allais me faire virer bientôt, et on avait un prof qui était vraiment un sale con de facho, et il avait décidé qu'il ne m'aimait pas, et puis c'était très réciproque. Voilà. Et c'était un prof d'atelier, on faisait pas que de la science, on faisait aussi de la vraie ingénierie, donc on allait faire semblant, ou pas semblant d'ailleurs, on allait faire des machines-outils, des conneries. Et donc, la note finale, pour avoir ou pas l'enseignement était fait à moyenne de 3 notes, un partiel, un final et une note d'atelier. Donc à l'égal. Le partiel, j'ai eu à avoir 18 ou 19 ou 20, enfin bon, voilà, comme j'avais tout le temps, parce que je suis très très fort, bon, voilà. La note d'atelier, c'est un atelier à 3. Donc avec ce type, que je connaissais pas plus que ça, on était 3 par 3. Alors je crois qu'ils ont dû avoir les deux autres 16 ou 18, enfin une super note, et moi j'ai dû avoir 2. Et alors au final, donc à cause de ce qui va se passer après, il a été obligé, le prof, de mettre la même note qu'eux, donc 16, et il a quand même réussi à me faire pas avoir l'enseignement en faisant la moyenne entre, admettons, 16 et la troisième note. Donc j'ai dû avoir, tu peux calculer, ça j'ai dû avoir au moins 8 à l'examen final. C'est ce qui s'appelle être honnête. Bon, passons au truc. Et donc ce type-là, ce qui est intéressant, c'est que ce copain, donc, qui est devenu un ami depuis, a fait quelque chose qui n'arrive jamais. Il a été voir le prof, et il a fait « Monsieur, c'est pas normal ». C'est pas normal, je veux dire. Soit vous nous mettez tous deux, soit 16, on a fait le projet ensemble, on vous a produit la même pièce, dans la même machine-outil, c'est pas normal. Et donc le prof est obligé de me mettre la note, ce qui ne va pas empêcher donc de me niquer, comme je te disais. Et ça, c'est rarissime. La plupart des gens, face à une pression extérieure, s'écrasent, et puis font la leçon aux autres. Ils disent « Ah oui, le journaliste a censuré, c'est pas bien ». Combien des gens qui vont regarder cette vidéo en disant « La censure, c'est pas bien » et combien vont faire ce qu'a fait Spot? Combien vont leur patron vont pas face à une petite injustice de leurs collègues, ils vont pas détourner les yeux en faisant « Ouais, mais non, mais c'est vrai, c'est dégueulasse ». Mais combien vont faire? C'est ça aussi, toujours faire la morale ou les grands thèmes. Les grandes discussions sur les grandes choses, elles servent à masquer ces petites lâchetés à soi. Moi, c'est pour ça que j'aime pas les grandes choses comme ça. Les petites labies, c'est des choses très concrètes, très machin. Et donc là-dessus, Dieudonné, il a eu des couilles. Voilà. Là-dessus, je le reconnais absolument. N'importe qui à sa place aurait été prudent et raisonnable, aurait fait non, mais c'est vrai, j'ai dérapé, j'aurais pas pu aller faire, j'étais dans mon énergie de ce sketch, c'est vrai, je suis désolé. Il s'en serait sorti, il aurait fait, on va voir plus tard Orelsan, il aurait fait du Orelsan. Il s'en serait sorti, il aurait jamais eu ça. Il a fait, merde les mecs, j'ai fait un putain de sketch, vous me faites chier, quoi. Ça, je le reconnais, il a été droit. Voilà. Alors à partir de maintenant, je vais en dire du mal. Mais je veux vraiment pas qu'on oublie ces deux points, quoi. Voilà. Parce que moi, je suis fait, malgré ça, deux énormes reproches. C'est le moins qu'on puisse dire. Le premier, c'est marrant, tu vois, je devrais refaire le plan maintenant, je ne mettrai pas ça en premier, parce que le plus important, c'est le deuxième. Mais je vais faire le premier. Le premier, c'est qu'il a, on va dire, poliment glissé, ou admettons, en tout cas, ce qui est certain, c'est, admettons qu'il n'est pas glissé, je ne vais pas lui faire de faux procès, bon, hein. En tout cas, il n'a pas du tout été vigilant, c'est le moins qu'on puisse dire, sur ce glissement vers l'extrême droite. Hein. Alors moi, je suis, une fois encore, j'ai chanté Vive Le Pen, être pote avec Le Pen, je trouve pas que c'est de la dédiaboliser les choses, je suis pas bloqué. Mais au bout d'un moment, inviter Faurisson par provocation, d'accord. Enfin bon, au bout d'un moment, quand c'est plein de trucs comme ça, tu te rends compte que tu es dans un camp. Parce que le côté, oui, je fais ça pour être contre la morale dominante, parce que le camp de la morale dominante, je l'abandonne, oui. Mais comme je te disais tout à l'heure, moi j'ai fait Mort aux Juifs, j'ai jamais été récupéré ni de près par les fachos, je fais pas de l'antifascisme primaire, ça me fait vomir. je vais discuter avec Jean Romain, ou et si demain Radio Courtoisie me demande de venir, ou que Minute me demande une interview, je lui donnerai avec plaisir, ça me pose aucun souci. Juste au bout d'un moment, quand je m'exprime que sur Radio Courtoisie, que sur ça, que je suis le neveu de Le Pen, que dans ma salle il y a tout le Front National qui est là, que je j'emmène, que dans mon théâtre je le prête pour que des choses d'extrême droite ou de la Tribuca, que, au bout d'un moment tu fais, au minimum t'as pas été très vigilant. Et alors ça, bon évidemment ça m'embête parce que je suis un sale enculé de connard abruti d'antifasciste, peut-être. Mais surtout, ça m'embête. D'abord, ça m'embête aussi pour ça, je l'avoue. Je suis un connard d'antifasciste, bête, mais vraiment, 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 vraiment. Ça m'embête pour une raison. C'est que c'était une occasion unique, la pub, malheureusement, qui lui a été faite, ce buzz, de dire, ok, les mecs, de faire ce que moi j'ai essayé de faire. Et peut-être là, on a l'explication, pourquoi moi, tiens, j'ai pas eu de procès, pourquoi moi j'ai pas eu ce buzz. De dire, attention, les mecs. Moi, l'antisémitisme, le racisme, moi je suis noir, j'en ai souffert du racisme. Le racisme, ça me fait vomir. C'est pas de ça dont je parle, le mec. Je parle qu'en France, on est devenu complètement par jour, on n'a même plus le droit de se moquer d'Israël. Juste, ça, c'est grave. Et ça, moi, je vous le dis pas du camp d'un facho. Je vous le dis du camp d'un antiraciste normal qui a été contre Le Pen adreux. Les mecs, faut que vous arrêtiez. Et il y aurait des abrutis qui auraient instrumentalisé ça. Oui, on sait bien que les antifachos sont antisémites par derrière, etc. Ils auraient fait ce qu'ils voulaient. Mais il aurait eu l'occasion quand même de faire passer ce message qui était crédible. Au lieu de ça, il s'est complètement décrédibilisé. Le discours des juifs sionistes qui consiste à dire... Ah, toute critique d'Israël est guidée par l'antisémitisme. Mais quelle occasion il leur a donnée? La preuve du donné, regardez. Au début, il a fait croire que c'était une critique d'Israël. Mais en fait, on voit bien Le Pen, tout ça. Quand extrême droite, toute critique d'Israël vient d'extrême droite. Il a complètement cassé ce discours. Et ça, c'est dégoûtant. Et ça, c'est dégoûtant et c'est une occasion. Ce qui me dégoûte aussi, ce qui va avec, je sais pas si c'est un autre point ou si c'est le même, mais c'est que il a été d'un camp. Il a compris qu'être tout seul, et on va revenir tout ça sur cette conclusion, c'est pas un hasard sur la conclusion, on s'approche de ce que je veux dire. Comme par hasard, moi je suis pas dans un camp. Mais si tu veux réussir un peu quelque chose, faut mieux être dans un camp. Ah, c'est mieux, t'as des copains, t'as des relais, t'as des choses qui disent, t'as des gens qui répètent ce que tu dis quand t'es tout seul absolument, et truc, bon, voilà, tu le fais pas. Et que quelque part, peut-être c'est pour ça que moi j'ai pas été attaqué, que j'ai pas eu d'ennui judiciaire, c'est pas parce que je suis mieux ou que les antiracistes seraient plus intelligents, c'est parce que je les servais pas, je risquais d'être déstabilisant, lui il est pas vraiment facho et tout ça, puis il aura un discours que... Quelque part, il était... pour faire plaisir aux Soraliens, un idiot utile merveilleux. Il a été contre lui, avec beaucoup de courage, évidemment contre lui, parce qu'il a pas fait ça avec beaucoup d'intelligence, à mon avis, c'est pas... Bon, je vais pas dire du mal à ce point-là, mais on sent que c'est pas un intellectuel profond. Il s'est fait peut-être plus instrumentaliser qu'il le croit, par les sionistes, je veux dire. Parce qu'il a quand même donné la bonne image de ça. Mais admettons que ce soit pas ça. En tout cas, j'aurais aimé que d'un point de vue humain, d'un point de vue politique, et d'un point de vue de but à atteindre, il soit hyper vigilant et qu'il répète toujours, moi je suis pas anti... Comme moi je fais. À juste titre. Sauf que moi, je ne suis pas antisémite. Peut-être aussi pour ça la différence. Peut-être que lui l'est. J'en sais rien. Mais en tout cas, si lui ne l'est pas, il aurait dû faire très très vigilant à répéter. Mais la critique, elle n'est pas ça. C'est pas l'enjeu. La critique, c'est l'antisionisme. La critique, c'est l'antifascisme. La critique, c'est la politique d'Israël. Ne confondez pas tout. Et qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de dire le mot juif est dangereux par rapport à la liberté d'expression. Tout ce que je fais, tout le travail que j'ai fait. Qui est peut-être probablement trop complexe pour lui. Mais aussi... on va voir, peut-être que ça l'aurait trop détourné de son public, peut-être qu'il l'aurait pas été dans un camp, puis peut-être qu'il est vraiment antisémite. Peut-être. Ça lui appartient. En tout cas, moi, c'est la première chose qui me gêne. Et pour prendre ce truc-là, que j'ai noté, cette fameuse phrase de Vaquette dans... fameuse, c'est Vaquette est très fameux et très connu, comme chacun sait. La phase dans Je veux être grand et beau, l'héroïsme, c'est de préférer une belle défaite à une victoire sans grâce. Moi, je trouve assez classe sur cette vidéo-là, de lui cracher dessus, comme je le fais, comme je vais continuer à le faire là, et devant Caroline Fourest, de l'avoir défendu, et le tout en ayant une cohérence, qui est ce que j'explique. J'aurais bien aimé qu'il ait la même finesse et le même courage et la même chose, qu'il ait affronté les sionistes et les connards de la LICRA et toutes ces choses-là, de la nouvelle morale et nouveaux curés, droit dans ses bottes comme il l'a fait, et qu'à côté, il ait réussi à faire, attention, moi les fachos, je suis pas de votre camp, vous me récupérerez pas, Faurisson, ok, je t'emmerde, pas, je vais diaboliser Faurisson, mais je me fais pas récupérer par ça. La Tribuca, ça va, moi je vais pas devenir raciste parce que je suis à côté de vous. Peut-être que je lutte contre l'antiracisme, je vais devenir raciste, mais c'est n'importe quoi. J'aurais bien aimé ça. Bon. La deuxième chose que je reproche à Dieudonné, et qui est peut-être la principale, qui moi m'embête beaucoup, beaucoup, c'est sa putain de forme éculée de merde de café-théâtre. On a parlé à propos tout à l'heure de Radio Libertaire, que la fin c'est le moyen. Moi, je suis désolé, je pense pas qu'on peut être subversif en prenant une forme éculée, en faisant des grimaces, un vieux truc qui a été fait par tout le monde depuis 50 ans, un truc de beauf. Je pense pas qu'on peut mettre de l'intelligence en disant aux gens, réfléchissez pas, prenez vos mécanismes pavloviens d'humour que vous avez déjà décodé, que vous avez vu 50 fois. Pas parce que le café théâtre, on se serait mal, hein, ce café théâtre aujourd'hui, parce qu'il l'a été répété, qu'il faisait à 10 ans qu'il était déjà ringard, il y a 20 ans qu'il était déjà ringard. Le mec qui a créé le café théâtre au début, évidemment, c'est intéressant, on est d'accord. Mais cette forme éculée, à un moment, tu peux pas aller draguer les beaufs, aller leur dire réfléchissez pas, aller partir sur des ressorts faciles. Moi, je l'ai vu sur scène, hein, Dieudonné. Il fait tous les vieux ressorts, il fait des grimaces, il fait des cris de singe, il fait des postures, il fait tous ces trucs-là du vieux comique. À un moment, la fin, c'est le moyen. Tu peux pas dire aux gens soyez bêtes, allez au premier ressort émotif que vous avez, et puis soyez intelligent dans votre propos. Ça me gêne beaucoup. Et ça me gêne d'autant plus que en plus, il l'a fait deux fois, c'est-à-dire que non seulement il l'a fait dans ce qu'il écrit, mais son café-théâtre, quand il invite pas les fachos et la Tribuca, sa programmation de son café-théâtre, c'est que du sale café-théâtre de niveau zéro. On l'a jamais vu programmer Coste, Vaquette ou d'autres personnes, voilà. Jamais. Ou d'autres formes, ou du jazz un peu intello, ce que tu veux, je m'en fous. On sent qu'il n'y a aucune ambition là-dedans et qu'il est là-dedans. Et ça m'embête beaucoup parce que ça aussi, ça aurait pu être son théâtre, aurait pu être la forme nouvelle des gens qui contestaient profondément les choses et on aurait pu se retrouver dans une espèce de d'Hara-Kiri d'aujourd'hui qui aurait pas du tout été Hara-Kiri, qui aurait pas du tout été de cette gauche-là parce que les temps ont évolué, mais qui aurait plutôt non plus été ni à droite ni café-théâtre, qui aurait été tous ces espèces qu'il aurait fait à la réunion de pourquoi pas de Vaquette et Coste, avec pourquoi pas Soral, avec pourquoi pas tous ces subversivos plus ou moins machin, un peu nab, pourquoi pas, moi je dis pas où sont les bons, où sont les méchants, mais qui aurait permis d'avoir des trucs un peu, pas du tout, il a pas fait ça, il a donné son théâtre aux fachos, à la Tribuca, à sa petite coterie autour de trucs, les gens qui sont autour d'égalité et réconciliation, les copains, le copinage, voilà, toute la saloperie, quoi. Donc ça, il l'a fait, et évidemment, on arrive de plus en plus à la conclusion, disons, comme par hasard, moi, ma forme ambitieuse, qui fait pas rire les beaufs, qu'on me demande à comprendre, qui est complexe, disons, moi, ça, c'est plus exigeant, c'est mieux, moi, je fais pas le zénith, lui-ci. Et voilà, peut-être c'est ça, on approche de la conclusion, je sens qu'on approche, hein. on approche, Dieudonné, grimace, truc de café-théâtre, voilà, il fait mieux que moi, c'est très bon, café-théâtre, ça reste du café-théâtre, c'est pas dur d'être bon dans quelque chose qu'il fait depuis 30 ans, il suffit de recopier, il n'y a pas besoin de l'inventer. Ensuite, la troisième chose que je lui reproche, et ça j'ai déjà plusieurs d'ici, c'est, on va dire poliment, si les Dieudonnéens, les fans de Dieudonné nous écoutent, je ne voudrais pas les blesser excessivement, mais on va dire poliment, un certain opportunisme. Disons que être en pleine époque de l'antiracisme contre Le Pen adreux, l'époque où c'est tellement audacieux, où la France entière défile, toute la jeunesse française défile pour faire élire Jacques Chirac, ah, la jeunesse encule le Front National, le danger fasciste, ah, tu penses bien, etc. À ce moment-là, lui, il est contre Dreux, il y présente à Dreux contre Le Pen avec follement d'audace pour faire le bon nègre, voilà, et avoir des gens qui viennent le voir sur scène. Et qu'aujourd'hui, à l'époque de Sarkozy, de Zemmour, de Soral, à l'époque où cette critique-là qui n'aurait pas du tout été permise est très tendance, est fait rebelle, fait subversif, tout ça, ah, il est un peu facho, un peu, il dit truc sur les juifs, un peu provo, hein. Ah, c'est bien. Alors les gens ont répondu, mais il a évolué, tout le monde a évolué, il y a que les habitudes qui ne changent pas d'avis. Oui, disons qu'il y a des gens qui, comme moi, sous Mitterrand et l'antiracisme, te chantent « Vive Le Pen et mort aux Juifs », et qui, 15 ans après, font un spectacle anti-Sarko, crevez tous, sous Sarkozy, et qui arriveront jamais, et puis d'autres gens, disons, ils évoluent dans le bon sens, dans le sens que pensent plein de gens, et qui leur permet d'avoir un certain succès. C'est une chance. C'est une chance, Soral, qui fait des bouquins « Comment draguer les gonzesses » trop cool, et des émissions de télé débiles, d'animation pour débiles, quand il est jeune, et que c'est ça qu'on veut chercher, et puis au moment justement où il y a Zemmour, Sarko, tout ça, où ces idées sont à la mode, ah, il devient le vrai subversif qui fait la critique de mai 68, quelle audace de faire la critique de mai 68, un peu comme personne de connu, comme Sarkozy, Houellebecq, tous, quoi. Bon, je rigole. Alors, voilà. Et alors, surtout, la conclusion va me dire « Mais t'as dit une phrase dégueulasse, Vaquette. Admettons ce que tu dis, t'as dit une phrase dégueulasse. Tu viens de dire « Il réussit en faisant ça. » Mais censure, mais horrible, etc. Mais pas réussir. Ben non, pas réussir. Moi, je suis dans des squats. Lui, il remplit le zénith. Et c'est marrant. Moi, j'ai le sentiment que quand il a rempli le zénith, là, au moment de ses ennuis non seulement n'ont pas empêché de remplir la salle, mais j'ai même le sentiment que ça les a remplis. J'ai même le sentiment qu'il s'est trouvé des milliers de petits bougnoules en manque de repères, qui se sentent totalement perdus, exploités, qui vivent dans leur pauvreté et qui voient que quand c'est l'anti-islamisme, on en parle à la télé, mais quand c'est Israël, Israël peut faire ce qu'on veut et que ça leur a nourri un antisémitisme probablement à tort, mais par contre que le phénomène soit normal, que ce soit pas bien, mais qu'il soit très compréhensible, que cette judéomanie, ce privilège constant accordé aux Juifs et à Israël, nourrisse l'antisémitisme en retour. Et c'est ce que dit en substance le bouquin de Jean Romain. C'est que lui, c'est pas du tout un bouquin antisémite, il se décrit comme un pro-sioniste et un Juif. Donc il dit au contraire, à la fin, ça va nous retomber sur la gueule, les mecs, faites gaffe, ça va nous retomber sur la gueule. Donc qu'il ait trouvé plein de petits rebeux perdus qui d'un coup aient vu en lui un grand héros parce qu'il avait critiqué Israël, je pense que alors évidemment, on peut dire, oui, mais si tu te mets bien avec les Juifs, tu remplis, comme le Juif est partout, bien sûr, tu remplis le show business et tu réussis. Oui, peut-être aussi. Disons qu'une fois encore, quand t'es comme moi, devant des punks anarchistes et que tu leur dis vive Le Pen, tu réussis beaucoup moins bien que quand tu es d'un camp et que tu remplis ta salle du Zénith avec les mecs du FN et avec les petits rebeux antisémites. Bon, et donc, voilà, c'est une fois encore... lui, voilà, sa provo sur les Juifs, ça l'a amené au Zénith, j'ai noté ça, moi je vous l'ai raconté tout à l'heure, ça m'a amené au trou gaulois. C'est pas la même capacité de salle, pour ceux qui n'auraient pas tout compris. Voilà, mais c'est, évidemment, je suis très lucide là-dessus, ami fan de Dieudonné, c'est parce que lui a un immense talent, hein, une créativité artistique, il a réinventé le café d'Alès, que moi j'ai né en catalan, je fais des trucs, hein, comme le dit mon papa, des trucs... J'ai pas compris comment... Parce que moi, papa, il sait très bien les choses. Il sait que je fais pas des spectacles parce qu'ils sont conceptuels, intelligents, que j'essaie de pousser les formes, parce que je trouve que l'époque est marquée par la bêtise et qu'il faut mettre face à ça de l'intelligence, que l'époque est marquée par la facilité, il faut mettre de la complexité. C'est juste parce que des vrais spectacles normaux, je sais pas les faire. Donc je fais des spectacles parce que j'y arrive pas. Je fais des chansons de 40 minutes parce que j'arrive pas à m'arrêter d'écrire. Je suis très con. Tu vois, je suis con. Alors qu'au Dieudonné, il sait faire. Il sait faire un bon spectacle comme on doit faire, qui fait rire les gens, qui plaît au public. C'est la preuve qu'il sait le faire. Et oui. Eh oui. Et donc ces trois points, hein, le certain opportunisme, le café de la forme pour le moins facile, et puis le fait d'avoir glissé plus ou moins vers l'extrême droite, ou en tout cas de ne pas avoir été vigilant à sortir de ce camp, ça fait que moi j'ai énormément de problèmes avec Dieudonné. Bon, le gros con là, le nègre, si je te croise dans la rue, je te défonce la gueule. Ça, c'est citation et référence à Coste avec, à propos de Gros François des Gaston Boucher dans l'album Maître Con. Alors on va faire l'album pour cet album Maître Con de Coste, il est pas très connu, c'est un super album. Voilà. Je vous l'ai fait écouter hier, vous n'allez pas dire le contraire, ça vous a énormément plu. Alors, et donc, tout ça fait que moi, ce statut de héros dans les deux orthographes, OS et AUT, bon, je sais plus, bon. Un des deux, faut que je fasse gaffe, dans les de martyrs de la liberté, de penseurs, d'icônes de la subversion qu'il a auprès de ses fans, moi je lui dénie complètement ça, et ça je lui crache à l'arrêt. Alors vraiment là-dessus. Je veux dire, c'est abusé. Alors qu'après, il n'emporte pas seul la responsabilité, que la principale responsabilité vient des connards de la LICRA et de tout ça, et de Bernard Olivier et de tous ces enculés, ça c'est vrai, avant tout. Mais ces mecs-là, ils ont vraiment été des connards et des merdes. Qu'est-ce que vous avez été faire d'un martyr, ce type-là? Vous pouviez pas le laisser dire « Ah bah toi, t'es un gros con, tu fais des grosses quêtes de gros con qui plaît aux gros beaufs, puis voilà. » Ce qui est juste la réalité. Et non, en le censurant, vous avez fait une icône de la subversion alors qu'il a pas de pensée profonde, une forme pas très avant-garde et pas très intéressante, et pas un positionnement politique, humainement et intellectuel très lucide, courageux, subversif. J'ai vraiment beaucoup de mal à ça, et une fois encore, je lui reproche vraiment pas en premier à lui, je reproche aussi à lui. Mais avant tout, quand je vois un pro Dieudonné qui m'en fait une espèce de penseur de Dieudonné, j'ai vraiment beaucoup de mal.